Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft. On joue contre un Protoss, on est sur Porte de l'Hiver. On a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Et on va tester de faire un petit gameplay agressif en début de partie et ensuite plutôt macro. C'est-à-dire que je vais lui envoyer des adeptes et ensuite des oracles. Et ça me permettra de peut-être me sécuriser un début de partie confortable, on verra bien. Sauf s'il me fait la même chose, bien sûr, ce qui est toujours un peu le problème sur StarCraft. Tac. Le petit portail, le petit chronoboost, le petit récolteur. Ensuite, on va prendre un gaz. Hop. Aller prendre la vision par là, je vais quand même envoyer un scout. Tac. Poser un deuxième portail. Ok, jusque-là on est good. Ensuite là le noyau, j'irai ensuite prendre la B2. Alors déjà un petit portail éventuellement, un petit pylône pardon. Hop. Allez, prochaine étape B2. Est-ce que je peux voir ce qui se passe en face? Ok, double gate, noyau, bah ça va partir peut-être en adepte comme moi. Faudra faire attention. Et essayer de micro au mieux, mais je suis pas toujours très doué pour ça malheureusement. Ok, il est parti double gaz. Alors ça pour le coup c'est un peu surprenant. Allez, on va gober deux tout de suite. Tiens, je vais même regarder si je peux pas un petit peu l'empêcher de poser sa B2. C'est très relou ceux qui font ça, mais si c'est relou, c'est que c'est efficace. Et si c'est efficace, on le fait tout simplement. Hop. J'ai vu une unité passer là, on est d'accord. C'était juste une probe, ok, tout va bien. Toujours pas de B2 en face, alors il faut que je fasse attention, ça peut être une stratégie all-in. Ok, bah jusque là ça a l'air d'aller. Allez, toi tu peux rentrer. Qu'est-ce qu'on a? On a du Stalker en face, Stalker adepte. Ce que je vais faire, c'est que je vais produire du stalker chez moi pour ne pas être paumé si ça m'attaque. Et je vais essayer de m'infiltrer dans son camp, tout simplement. Est-ce qu'on peut aller chercher des dégâts de type dégâts échos? Ah putain, il m'attendait. Ah putain, j'ai mal géré mon truc. Je suis un peu triste, c'est pas grave. Là, je peux pas faire grand-chose en fait. Je vais garder mes unités chez moi. Ouais, je peux faire un peu de zélote éventuellement. J'aimerais beaucoup pouvoir sortir de la Stargate assez vite. Je vais faire de quoi ne pas être complètement paumé si je me fais attaquer. J'ai le warp, ça c'est une bonne nouvelle. Alors là j'hésite, soit je pose archive des Templiers avec deux gates, non je vais mettre deux Stargate en espérant que ça passe. Que je me fasse pas punir pour mes ambitions. Tac. Ok. Mais non, qu'est-ce que tu fais là toi? Ok, ça joue agressif du coup. Il va nous falloir ça. Je vais essayer de me protéger au mieux. Tac, si ça m'envoie de l'adepte. Je vais me faire des sentinelles. Il me faut beaucoup plus de gates, ça c'est très urgent. Je vais arrêter de produire de l'écho pendant 2 minutes. Je vais poser ça. Et du coup, je peux pas utiliser mes Stargates. Là, c'est un peu embêtant. C'est beaucoup trop risqué en fait.
J'ai pas de vision sur lui. Est-ce qu'il m'a proxy? Non, je pense pas que ce soit un proxy parce que je l'aurais vu dans le. Par rapport à son avancement de ses bâtiments chez lui. Mais ça veut pas dire que c'est pas dangereux pour autant. À mon avis, là, j'ai quand même à peu près de quoi le repousser si j'ai un souci. Allez, je vais tenter de faire mes oracles. Que ça serve à agresser ou à défendre, ce sera utile. Je vais les chrono, les deux. Et je vais espérer que ça passe, que je sois pas trop ambitieux. Il faudrait que j'aille prendre la vision sur ce qui se passe autour là. Une autre qui va aller prendre la vision chez lui. Ok. Allez, on va essayer d'aller faire des dégâts aux oracles. Bon, ça va, ça se présente pas si mal. Je vais faire une forge. Il faut de la vision. Je vais continuer à faire de l'écho et qu'il y a une B3 en face. Alors là, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, ce serait faire beaucoup de dégâts avec mes oracles. Ça, ce serait vraiment génial. Ok, il y a du DT. Donc j'ai vu qu'il y avait du DT qui allait arriver, donc là très important, les canons, là c'est vraiment la vie, ça va peut-être être du drop, donc je vais en mettre aussi aux endroits où il est susceptible de drop, là pareil, canon archi important, là c'est juste vital en fait. Je vais pas B3 tout de suite, il aurait déjà dû être posé en fait mon... Ma robot aurait déjà dû être faite depuis un moment. Ça, c'est pas très malin. En vrai, je pense que je peux décaler vers B3, mais c'est un peu. C'est très limite. Hein. Heureusement que j'ai pris l'info du DT en face. Allez, vite, vite, vite. Tac, on va chrono boost. Je vais pas me faire avoir. Ma dernière partie que j'ai postée sur YouTube, là, je m'étais un peu fait péter comme ça. Le mec il vient là. Ok. Pas de problème cette fois-ci. C'est vu. C'est vu en temps et en heure. Que je puisse éviter les dégâts. Hop, ok, bon. Il m'a pris vraiment 3 fois rien par rapport à ce que ça lui a coûté. Les DT ça coûte très cher. Donc je m'en sors vraiment bien là-dessus. Je suis content. Tac, je vais poser mes forges. Et heureusement que j'ai anticipé, hein. Là c'était du mind game incroyable. Tac, ça on va prendre comme ça, je vais refaire encore de la détection, sait-on jamais que ça continue à jouer un petit peu relou. Bon, de toute façon j'avais encore l'oracle, hein, l'oracle qui peut faire une révélation, mais ça me fait bouffer de l'énergie et je préfère avoir un détecteur, hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Il va falloir que je pose des gates au niveau de la B2. Je suis un petit peu en retard par rapport à ça. Enfin, en retard, c'est un grand mot, mais voilà, c'est bien si j'en mets quand même. Je vais essayer de pas bloquer mes unités pour changer. Tac. Je vais essayer de mettre genre 2 canons en plus. Parce que ça a l'air de drop. Il a l'air de vouloir drop des trucs dans ma base, hein, très clairement. On sent une volonté de dropper en face. Tac, tac. J'ai pas de quoi faire de l'archonte là, ça va pas du tout ça. Allez, il faut que je sorte du colosse, ça va me mettre archi bien. Je pense qu'au niveau macro il est devant. Il doit avoir une B4, ça m'étonnerait pas. Je vais essayer de repérer des éventuels proxys ou des choses comme ça. Allez, je vais essayer de poser une B4 mais je vais pas la remplir tout de suite. Oh l'erreur, il perd un prisme là-dessus. Grosse erreur de sa part. Ça me met bien. Surtout s'il voulait peut-être me drop ma zélote ou un truc comme ça, avec une attaque latérale en même temps. Ce serait pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. On va essayer de mettre des gates encore. Où est-ce que je peux les mettre là?
Allez, ouais, c'est un peu chelou les emplacements. Les colosses, ça vient, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça commence, allez, les améliorations, pareil, à ne pas négliger. Je commence à être un peu blindé, je vais commencer à remplir une B4. Je vais essayer de balancer toutes les upgrades terrestres en permachrono boost. Ok. En vrai, je pense que je vais pouvoir tenter une agression, parce que là, je commence à être vraiment bien. Là, j'ai une sacrée capacité offensive, mais alors, j'ai du mal à évaluer ce qu'il a en face. Je pense que encore deux colosses et on est bon. Là j'en ai un, j'en ai deux en prod, allez un troisième. Colosse c'est très 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 intéressant quand c'est combiné à du zélote, ce genre de choses. Ça fait vraiment des compos d'armée balèzes. Tac. Hop, est-ce que c'est chrono? Je vais continuer à chrono. Mes améliorations, ça c'est encore chrono, tout va bien. Ok, là il y a un détecteur, je vais essayer d'aller le choper. Je peux faire une petite vague de zélote, je pense. Ça pourra me servir. Là, ok, je suis à peu près protégé. Ok, ça fight. Il est en 1-0-1 en face. Oh, il faudrait vraiment que j'aie mes améliorations, en fait, avant de prendre la fight. Je vais peut-être voir pour me refaire un petit peu quelques petits trucs en plus, là. Est-ce que ce serait possible que j'ai des pylônes ici pour warper? Ça me plairait beaucoup. Ok, ça commence à être bien là. Allez, je vais prendre la fight. Est-ce que mes upgrades sont finis? Ça commence à être correct. Ok, mes upgrades sont faites. Très très bonne nouvelle. Je crois qu'il est juste ici. Je vais y aller. Que je peux le manger. En vrai, là, j'ai une bonne compo d'armée. Hein. C'est très très bon, là, ce qui se passe. Je pense que je me le fais. Hein. Je suis vraiment bien, là. Allez, blink. On essaie de choper. On essaie de le prendre dans la retraite. Ok, là, je le catch. Très très bon, là, sur le déplacement. J'ai chopé des sentinelles. J'ai pris beaucoup. Hein. J'ai encore des améliorations qui continuent à venir. Là je le mets vraiment très mal. Ok, il m'a un petit peu embêté sur les déplacements. Là il y a l'espèce de bordel qui ralentit. Mais c'est pas très grave. Alors je crois que j'ai fait du disrupteur. Il faudrait que je m'entraîne à jouer avec, mais pour l'instant j'ai pas une assez bonne micro dessus pour investir de l'économie dedans. Là je lui mets vraiment très cher. Ça tombe. Ma compo d'armée est vraiment bien pour lui faire des dégâts là. Alors j'ai juste les colosses qui font pas grand chose derrière. Allez, je prends 2 minutes pour m'occuper de mon écho. Ça va là. C'est le GG, bon il abandonne. Pouf, c'était archi tendu, hein. Vraiment je pense qu'on était très très close sur cette partie. J'ai vraiment essayé de sentir un petit peu où est-ce qu'il en était dans sa partie et de prendre le bon timing pour attaquer. Il avait 2 fois mes APM. Hein. Je comprends pas comment c'est possible qu'il perde avec 2 fois mes APM. Je pense qu'il y en a qui... Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Alors soit ils spamment les clics et du coup ça fait des APM mais qui sont pas vraiment porteuses d'action. Soit ils font n'importe quoi mais je comprends pas. Moi j'ai vraiment l'impression que si j'avais le double d'APM, j'aurais le double d'MMR en fait. Bon, c'est peut-être pas autant hein, mais c'est bizarre. Bon, au niveau des scores, je suis devant partout. Et au niveau des graphes, ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, je suis en rouge. Il a eu une valeur d'armée plus grosse que moi sur toute la partie. Et j'ai vraiment attaqué. Vous voyez, juste là, j'ai eu 10 secondes où je suis passé devant. Et j'ai attaqué juste à ce timing. J'ai vraiment senti le truc. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Si j'attaque, c'est maintenant que je le plie. J'ai aussi attendu le timing où j'ai eu mes 3 upgrades qui se sont finis en même temps. Ça, c'était très important. En économie, j'étais un petit peu devant lui quand même. Juste à la fin où il est passé, il a repris l'avantage. J'avais l'impression qu'il y avait plus que ça, parce que j'avais vu une B3 assez rapide. Mais là, on voit mon attaque à l'oracle, qui a fait quand même un petit coup, qui était plutôt correct. Bon, j'aurais pu en dégager plus de valeur, je sais même pas si je les ai rentabilisés, mes oracles, au final, mais...
ça lui a mis de la pression, peut-être qu'il a mis un... il est parti un peu anti-aérien alors qu'au final c'était un bait parce que j'étais full armée terrestre. Les améliorations, là on voit, vraiment là quand j'ai eu mes trois qui sont passés d'un coup et j'ai attaqué à ce timing. Mon timing était parfait, hein, vraiment. Et vous voyez actif, bon on retrouve l'économie, mais vous voyez mon timing, valeur d'armée, j'ai attaqué juste quand j'étais dans le pic, et pareil pour les améliorations, j'ai attaqué quand j'étais dans le pic. Et on a vu que c'était quand même un petit peu, enfin c'était limite hein, sur la fight. Donc je pense que là ça s'est joué à pas grand chose, mais que j'ai pris la bonne décision au bon moment. Voilà, bah écoutez, c'était une partie vraiment sympa, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.